Magnifique. Salut à toutes et à tous, c'est Madjen. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et ça faisait longtemps de chasseurs d'orage. Avec ce bel orage qui a débuté dans le bassin minier à Brioude. Ah, celui-là était joli. Il est vraiment en face de moi en fait. Faudrait peut-être que je règle l'ISO un peu mieux. Je reviens. Alors je reprends parce qu'il y en a eu un beau là. J'ai réglé au maximum que je pouvais la luminosité captée par l'appareil photo. On parlera. Malheureusement j'ai raté celui-là, donc la prochaine fois j'essaierai de me dépêcher un peu. Mais là de toute façon je vais essayer d'en capter un autre avant d'arrêter parce que je n'ai plus de batterie. C'est pas je crois, c'est que je n'en ai plus. C'est bien dommage. Et je vais essayer de filmer avec le téléphone. Waouh, lui il était joli, j'ai même pas pu le capter entièrement tellement qu'il était long. Joli, joli. J'approuve. Là maintenant ça les basse. Voilà. Bien le son de la fin que ça fait. En fait il y a eu ce phénomène là d'orage. Alors, aujourd'hui c'est expliqué en fonction de la forte chaleur du début du printemps qu'il y a eu aujourd'hui. Donc ce qui a été favorable à l'apparition de ces orages, quoi, ce qu'on appelle des orages de chaleur. Et normalement demain, sachant qu'il devrait faire à peu près la même température, peut-être, je crois qu'il y a 5 degrés de moins, normalement, ça devrait faire à peu près la même chose, un orage à la fin. Je vais l'orienter comme ça, on verra mieux. La batterie tient le choc, visiblement. De regarder l'écran de mon réflexe pour voir ce qu'il donne. Le rendu ça donne. Ah. Non, ça rend bien. J'ai l'impression que l'orage a un peu tourné. Donc je vais éviter de m'orienter comme ça, je vais plutôt m'orienter à peu près comme ça. Pour qu'on voie mieux. C'est vraiment juste devant nous, j'ai vraiment de la chance parce que à la base il était plus à droite de moi et on ne pouvait pas le voir à cause du mur qu'il y a. Mais là il est bien orienté, c'est pour ça que j'ai dit hop, j'ai fini de regarder mon épisode de One Piece, je vais pouvoir filmer un petit peu les orages pour avoir sûrement même des bons rendus. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait un. Ben, le dernier tout simplement, il remontait à l'année dernière, un an. Qu'il n'y a pas d'orage en hiver, ou alors très peu, hein, c'est très rare, hein, ce phénomène-là d'orage en hiver, c'est assez rare. Il y a un journaliste américain qui l'hiver dernier avait réussi à en capter un, à capter de la foudre, alors que c'était la tempête de neige, et franchement c'était une chance inouïe pour lui,
assez très rare. Je vois bien la forme là, du cumulonimbus sur mon appareil, sur mon appareil photo, que l'on ne voit pas en vrai actuellement, parce qu'il a l'ISO est un peu plus élevé que celui de notre œil, que celui de mon œil surtout. Donc on voit mieux. Une forme de nuage. Je commence à attraper la pluie. Je suis à l'abri mais très peu. Et la batterie tient. On a un petit oiseau là-bas. Je vais pas vous le montrer parce que là, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de la foudre. Donc j'ai pas envie de la rater. Il chante. Il est content. Alors il se dépêche. Et il est parti. Je parle de l'oiseau. Enfin, quand je disais il se dépêche, je parlais de l'orage, mais sinon je parlais de l'oiseau. J'ai envie de zoomer un peu sur l'oiseau. Et là, il y a l'orage. Là-bas, il est. Je sais pas si vous le voyez. J'ai pas l'objectif Sigma. L'espèce de petit téléobjectif, je l'ai pas. Donc je peux pas vous le montrer, mais sinon je pense que. Enfin je l'ai, mais bon, je peux pas le mettre là pour le moment. Visiblement il a l'air de s'être calmé. A few moments later. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pratiquement fini. Ce sera un petit épisode de chasseur d'orage. Oh, regardez ce qu'il y a à gauche de votre écran. Je vais zoomer dessus parce que de toute façon les orages, je pense qu'il n'y en aura plus. Ou très peu. J'entends gronder au moins. Qui signe finalement sûrement la fin de notre orage. Et je relance parce que ça s'est arrêté automatiquement. J'ai pris la carte SD qui a un peu des problèmes, j'ai envie de vous dire. Mais là, je pense que c'est fini. Et on peut voir un petit rayon de soleil. Ah, ça va faire un joli petit plan de coupe. Ah, c'est très joli. Et voilà, ce joli petit arc-en-ciel que l'on voit. Je crois qu'il y a un double arc-en-ciel. Regardez devant. Si, il y en a un double. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est vrai que c'est compliqué à voir. Il y en a un ici et il y en a un là. Un qui se voit très bien, un autre moins. Ça fait un bel arc de cercle. Donc là, je pense qu'on peut dire au revoir. Oh. Voilà ce que je vais tenter à me risquer. C'est que je vais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je tiens pas en équilibre. Alors, vous voyez, là on voit bien l'arc. Je peux pas sinon je vais tomber. Il y a un double arc qui se forme là-bas. Hop là. Très joli. Très 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 joli. Voilà, mais sur ce, je pense que c'est sur ce joli arc-en-ciel qu'on va se laisser. Alors, j'aimerais bien le voir un peu plus. Là, on le voit. Je vous dis donc à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Chasseurs d'Orage. C'était Madgen. Bye bye.